Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons préparé une vidéo aussi bien pour les futurs mariés que pour les invités. Pendant un mariage, il y a deux choses que presque tout le monde a dans la main à un moment, un verre et un smartphone pour prendre des photos. Pour ce qui est du verre, nous ne dirons rien, chacun ses goûts et ses faiblesses. Mais pour le smartphone et les photos, en revanche, nous avons la solution. Que faire des centaines de photos prises tout au long d'un mariage? C'est très simple, téléchargez Wetshoot. Cette application est la meilleure solution pour rassembler vos photos au même endroit, les organiser et surtout les rendre accessibles à tous, mariés et invités. Wetshoot est en fait un album comme on peut trouver sur les réseaux sociaux de photos. Vous verrez, elle est très intuitive et très simple à utiliser. Mais, et si tout le monde n'est pas branché technologie ou n'est pas habitué à ce genre d'application? Eh bien justement, c'est pour cette raison que je vais vous expliquer pas à pas comment faire pour télécharger Wetshoot, vous inscrire et l'utiliser. Commençons par la première modalité, celle des futurs mariés qui veulent créer leur album. La première chose à faire est de télécharger Wetshoot depuis la boutique d'applications de votre mobile. Une fois l'application installée, vous l'ouvrez et vous vous retrouverez sur cet écran. Là, vous cliquez sur « Je me marie ». Si vous n'êtes pas déjà inscrit sur mariage.net, vous devez le faire. Renseignez votre nom, votre adresse mail et un mot de passe. Vous recevrez ensuite un email de confirmation. Si vous êtes déjà inscrit sur mariage.net, il vous suffit de cliquer sur « Entrée » et d'introduire les informations nécessaires. L'écran suivant vous demande de préciser quelques informations, à savoir vos prénoms et votre date de mariage. Cliquez ensuite sur « Créer album » et le tour est joué. L'écran suivant est l'écran principal de votre album. Vous pouvez le personnaliser si vous en avez envie. Le bouton « Photo » en bas de l'écran vous permet de télécharger toutes les photos que vous voulez. Vous pouvez les prendre soit sur le moment, soit les télécharger depuis votre téléphone. Maintenant, voyons comment partager l'album avec vos invités. C'est simple, cliquez sur « Ajouter deux invités ». Grâce à cette information, vous pourrez partager facilement votre album pour que vos invités y aient accès. Première possibilité, vous trouverez un QR code et un code qui serviront aux invités qui ont déjà l'application. En scannant le QR code ou en introduisant le code, ils accéderont à votre album. Deuxième possibilité, cliquez sur le bouton « Envoyer invitation » qui se trouve en bas de l'écran. Vous pouvez l'envoyer soit par WhatsApp, soit par email, SMS ou autres réseaux sociaux. Ils recevront ce message avec un lien pour télécharger Wetshoot ainsi que le code qu'ils devront introduire une fois l'application installée. Maintenant, passons à la deuxième modalité. Imaginez que vous êtes un invité et que vous avez reçu ce message. La première chose à faire, évidemment, est de télécharger l'application si vous ne l'avez pas encore et de l'ouvrir. Vous allez vous retrouver sur cet écran que vous connaissez, mais cette fois, il faudra cliquer sur « Je suis un invité ». Ici, vous introduisez le code que vous avez reçu par email ou bien vous scannez le QR code en bas à droite. Une fois connecté à l'album, vous devez vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Ça fonctionne exactement comme pour l'exemple des futurs mariés. Maintenant, que vous soyez futur marié ou invité, vous êtes prêt à remplir l'album de photos. Vous pourrez télécharger ces photos sur votre téléphone portable ou encore partager cet album avec d'autres personnes. J'espère vous avoir aidé à comprendre comment fonctionne cette application. C'est vraiment une solution idéale pour ne perdre aucune photo du mariage. Cela dit, si vous avez encore des doutes ou des questions, utilisez l'espace réservé aux commentaires. Nous vous répondrons avec grand plaisir. N'oubliez pas de nous laisser un like si la vidéo vous a plu et de vous abonner à notre chaîne pour être toujours au courant des dernières nouveautés. À la prochaine !